Ok, donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va plutôt nickel. Donc aujourd'hui nous sommes là pour une présentation de mon serveur Minecraft 2.0. Pourquoi 2.0? Bah parce que tout simplement j'ai déjà présenté ce serveur. Mais il y a quand même pas mal de modifications. Donc si vous n'avez pas encore vu ma première présentation de serveur Minecraft, vous pouvez aller le voir, le lien sera dans la description. Voilà. Je vais remettre mes petites papates et mon interface. Voilà. Tout d'abord, je vais vous présenter le hub. Donc H-U-B, hub. Donc voilà, c'est un hub assez simple, assez simple. Donc là, Facebook, voilà, YouTube, je suis pas là pour faire de la pub. Ah si, en fait, je suis là pour faire de la pub, mais que pour moi, c'est mal. Allez, vous pouvez copier, allez, abonnez-vous à CGCraft. Vous pouvez imaginer que c'est un serveur avec beaucoup de jump, parce que c'est le cas. C'est évidemment le cas, regardez. J'ai rebondi. C'est le cas, parce que déjà, dès le début, vous faites un petit jump, tu vois, vous rebondissez, voilà, un saut. Donc voilà, c'est une carte avec des jumps. Voilà, c'est donc il y a plusieurs sortes de jump, mais tout d'abord je vais rester sur le hub. Donc le hub, enfin la différence entre ce hub et mon premier hub, je pense que les anciens la remarqueront peut-être. Mais il y a une grosse différence. Sinon le principe de la map, c'est faire des jumps. Si vous gagnez des jumps, vous allez recevoir des émeraudes, qui est l'argent de mon serveur. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec des émeraudes? Vous allez me dire ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des émeraudes? Alors, j'ai un petit peu la description du serveur sur le bienvenu. Donc, je vais lire ce petit livre avec vous. Alors. Donc, salut! Nous te souhaitons la bienvenue sur Jumpcraft. Fais un max de jump pour gagner des émeraudes. Ça, je vous l'ai dit. Et vont te servir à avoir une maison, de meilleure armure et plein d'autres choses. Lis bien les règles du hub, bon amusement. Donc voilà, les règles ils sont ici. Donc les règles, casser voler est interdit, de toute façon on peut pas casser voler. Rester dans la map, de toute façon ça c'est... Ouais, c'est mieux quoi. Sinon c'est pas vraiment très intéressant. Pas de gros mots, parce qu'évidemment quand on est dans une partie, il y a pas de putain, va te faire foutre, ma vidéo va être démonétisée. Même s'il gagne absolument rien sur YouTube, enfin bref. Pas taper. Sauf évidemment dans les PVP qui sont autorisés. Donc, il y a le hub. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Après, évidemment, ça, je vous ai lu ce livre-là. Évidemment, il dit pas tout. Après, vous allez découvrir par vous-même. Mais évidemment, dans le Jumpcraft, quand vous allez... On peut être aussi VIP au bout de 200 émeraudes. Vous pouvez vous acheter un pack VIP et avec le pack VIP vous pouvez vous acheter, enfin vous pouvez avoir gratuitement des bottes en diams que vous pouvez mettre pour les jumps, pour avoir de la résistance et tout ça. Vous pouvez aussi avoir des têtes comme ça que vous pouvez mettre sur votre petite tête pour vous amuser quoi. Après il y aura bien sûr plus de choses pour les VIP, mais pour l'instant il n'y a que ça. Cela dit, donc je vais vous présenter un petit peu la map. Bon, évidemment pas tout parce qu'il y a des choses qui sont pas vraiment très intéressantes. Donc Jumpcraft, ça c'est un petit peu l'enseigne. Ici nous avons un Skywars, je pense. Parce que moi et les jeux PVP, c'est pas trop mon fort, tu vois, c'est l'inverse. Mais bon, voilà. Donc là c'est un Skywars, là c'est un PVP, là c'est des jumps évidemment, parce que la map, je pense qu'elle a quand même 60% de jumps. Parce que les jumps c'est facile à faire, et voilà, c'est facile à faire tout simplement. Donc voilà, il y a des jumps, c'est 60% de jumps, donc les jumps je vais même pas vous les présenter, parce que, enfin voilà. Tout ce que je vais vous présenter en jump c'est celui-ci. Celui-ci c'est le jump le plus difficile de ma map. Il n'y a que deux personnes qui l'ont réussi. Non, trois en comptant moi. Donc voilà, c'est un jump assez compliqué, assez haut.
Celui-ci aussi, il est assez compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué, mais il est vraiment très long. Et quand tu tombes, eh ben, tu peux retomber sur les échelles. Mais si tu tombes vraiment tout en bas, je pense que tu peux rager un petit peu, quand même. Donc dans le jump, non, dans le serveur, il y a des jumps. Il y a un petit peu de décoration telle que la voiture de Furious Jumper. Il y a aussi une base militaire, mais c'est plus un camp pour surveiller les joueurs qu'autre chose. Là, c'est un labyrinthe, que je vais pas évidemment vous présenter parce que je vais pas aller dans le labyrinthe. Là, c'est un petit monde, on va dire, pour les gosses. Non, mais du coup, c'est un monde pour en s'entraîner au jump. Donc, j'ai mis un petit peu de décoration, tout ça. Donc, il y a toutes sortes de jumps. On va dire que c'est un didacticiel. Ouais, enfin, un didacticiel, ouais, je pense. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, c'est pour nous entraîner un petit peu à faire des jumps. Il y a aussi un didacticiel là, pour nous entraîner à faire des jumps. Donc, là, c'est des PVP. C'est des jumps. Là, c'est. J'ai essayé de faire un genre de Call of Duty sur mon serveur. Évidemment, ça a pas très bien. C'est pas vraiment le cas, quoi. C'est plus un PVP dans une map, quoi, qu'autre chose. Là, c'est un petit peu attraction dans mon serveur, parce qu'en fait, dans mon serveur, il y a tout. Il y a de tout. C'est à la fois une ville RP, à la fois une map jump, à la fois un truc PVP, à la fois. Il y a tout. Il y a tout. Il y a vraiment tout dans mon serveur. Donc voilà. Pour la petite partie RP, ici c'est la petite partie RP. Il y a un hôtel qui m'a pris quand même 1 heure pour le faire. 1 heure quand même, c'est pas mal. Je vais vous le présenter de l'extérieur. Donc voilà, là il y a. Là c'est pas les chambres. Là c'est, on va dire. Là c'est la partie où il y a les chambres. Là c'est la partie un petit peu. Loisirs, enfin tout ce que vous faites, quoi. Il y a les portes et tout ça. Là vous pouvez regarder la télé tranquillement. Enfin bref, et l'hôtel ne coûte pas si cher que ça. Je pense que c'est 200 émeraudes. Parce que les émeraudes, en fait, vous pouvez vous battez un nouveau record. Vous avez genre 200 émeraudes, je pense. Ou 100 émeraudes. C'est encore vérifié. Donc là, c'est vous pouvez carrément construire votre propre maison, si vous voulez. À condition cette petite maison, genre comme ça. Lui, il n'y a même pas encore de s'emmener. Ou alors une petite maison comme ça. Ça, c'est ma maison. Je l'avais déjà présentée sur le serveur numéro 1. Ça c'est le Nether. Donc il y aura des jumps dans le Nether, mais je vais pas vous montrer parce qu'ils sont il est pas encore fini. D'ailleurs, je vais peut-être mettre des barrières. Attends. Ouais, je m'en doutais. Du coup, je vais en mettre 2. 3 parce que sinon ça fait un petit peu vide. Il y a aussi le monde de l'End. Donc voilà, c'est tout beau. C'est un petit vaisseau spatial où que tu peux aller dedans et pouf, t'es dans un autre monde. Dans un autre monde. Donc là, c'est un petit PVP, c'est un petit jump, pardon, automatique. Donc le but, c'est d'aller tout en haut sans s'en tomber. Pareil pour ici, c'est de courir jusqu'à la plateforme sans tomber. Voilà. Et là. Non, c'est un fail. Enfin bref, vous avez compris le principe. Là, il y a aussi un bowling. Bowling de Fear du Jumper. Voilà, c'est un bowling tout simplement. Assez basique. Donc là, vous pouvez prendre une quille de bowling, vous la lancez et pouf, vous pouvez faire tomber des quilles. C'est assez sympathique comme bowling. Là, il y a un mode de jeu Splatoon qui est pas super super, mais vous pouvez toujours tester si vous venez dans mon serveur. Il y a un Lucky Block fait maison. Un Lucky Block, vous voyez peut-être le bloc. Oui, voilà, vous voyez les blocs en or, c'est le Lucky Block, vous devez les casser et ça va vous dropper des choses et vous devez survivre jusqu'à la fin. Donc voilà. Là, c'est un petit PVP dans les airs. Un petit peu pareil que celui-là. Enfin, celui-là, c'est carrément vous devez prendre les minerais pour survivre. Là, vous avez enfin tout dans les coffres et vous devez vous combattre tout simplement. Donc c'est aussi un skate. Donc voilà, je vous ai un petit peu fait tout le tour. Ça, c'est une prison. Ça, c'est un jump. Ça, c'est un labyrinthe. Je vous l'avais déjà dit. Ça, c'est un petit truc où vous pouvez boire une potion de speed qui est dans ce coffre.
Et vous devez aller le plus rapidement possible jusqu'au bout de... jusqu'au... Tout simplement. Je pense avoir fait tout le tour. Oui. Donc je tiens aussi à préciser que chaque bloc qui est posé sur cette map, c'est moi qui l'ai posé. La construction de ce serveur m'a pris un an. Enfin, ça fait plus de 2 ans, je pense, que j'ai ce serveur. Que c'est moi qui a tout construit, vraiment tout de A à Z. J'ai reconstruit aussi des choses, donc j'ai pas glandé quoi. Enfin, si, j'ai quand même glandé plus d'un an, mais bon, voilà. Donc voilà. La présentation de ce serveur est finie, donc présentation 2.0. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo, la première vidéo. Vous verrez les grosses différences qu'il y a. Là, vous aurez de toute façon un petit extrait en haut à droite. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la dans la de ah, le, dans le lien de la description pour aller voir cette vidéo. Bref, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez rejoindre ce serveur, mettez un pouce bleu. Dites-le en commentaire et surtout abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Cela dit, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye!